Zima. Alors qu'on célèbre aujourd'hui le Martin Luther King Day, jour férié aux États-Unis, en France, un autre grand homme est à l'honneur, l'ancien président sud-africain Nelson Mandela. La comédie musicale Madiba s'inspire de la vie du héros de la lutte contre l'apartheid. Et c'est le spectacle événement de ce début d'année sur la scène du Comédia à Paris. Madiba retrace le combat de Nelson Mandela avec en toile de fond une histoire d'amour, un pari audacieux qui a nécessité plusieurs mois de préparation et de casting. Nathalie Sarfati. Le compte à rebours a commencé pour la comédie musicale Madiba. Inspirée du combat de Nelson Mandela, l'aventure a commencé il y a quelques mois par un casting à Paris. Ils étaient une cinquantaine, filles et garçons, à venir tenter leur chance. Il fallait savoir tout faire face à une production très exigeante. Les gens qui feront des rôles seront aussi sollicités dans les ensembles comme danseurs ou comme bougeurs en tout cas. Et à l'évidence, avec le texte écrit par Alissa Sebrienne, il faut des bons comédiens pour défendre ce texte-là, qui est un texte chargé. Tiens, va me chercher ça. Rapporte-moi ça. Des textes forts, défendus par des candidats. Il faut rentrer dans la peau des personnages, comme celui de Sandy. On a l'habitude. On les craint. On les respecte. Un rôle qu'aimerait interpréter Karen Geoffroy, originaire de la Guadeloupe, pas très optimiste quant à l'issue du casting. Il y a beaucoup de personnes qui ont du talent. Il y en a plein qui m'ont pris au trip. Donc, avec mon peu d'expérience, voire pas du tout d'expérience, je me dis, c'est une bonne journée, quoi. Jean-Luc Guizon est aussi un habitué des castings, mais surtout, il a déjà joué dans des comédies musicales. Après Le Roi Lion et Gospel sur la colline, il tente de rejoindre la troupe de Madiba. Elle me morcelle, m'ensorcelle. Elle me dit ça. Il y a une vraie équipe avec une bonne énergie. On pense que c'est un beau projet. On aimerait en savoir plus. Hein. C'est ce qui se dit entre nous artistes. Mais on est bien entouré, bien encadré. Ils savent exactement, je pense, ce qu'ils veulent. Et puis, ma foi, moi, personnellement, c'est un bonheur. Il faut le prendre comme du training, en fait. Après des mois de préparation et de casting, le spectacle peut enfin être présenté au public. Ils seront une vingtaine sur scène pour rendre hommage à Nelson Mandela et raconter une histoire d'amour rendue impossible par l'apartheid. Parmi les artistes, on retrouve Jean-Luc Guizon. Il jouera le rôle de Sam, un jeune militant qui se fera arrêter dans le ghetto de Soweto et qui fera la connaissance de Nelson Mandela en prison. Un beau jour, on vous appelle et on vous dit qu'on vous veut dans le rôle pour lequel vous avez bossé, donc c'est génial. On est en train de faire monter le truc et entre nous, là, on sent qu'il y a vraiment quelque chose d'assez fort qui est en train de se mettre en marche, donc c'est magique. Le producteur Jean-Pierre Adida rêvait de mettre en musique la vie de Nelson Mandela. Le rêve est devenu réalité. C'est une belle aventure qui commence pour des artistes déjà sur un petit nuage. Et il est avec nous ce soir, Jean-Pierre Adida, auteur-compositeur. Bonsoir. Bonsoir. Alors, on vient de l'entendre, vous rêviez d'un spectacle autour de Nelson Mandela. Pourquoi lui ? Nelson Mandela, c'est le dernier des géants du XXe siècle. C'est quelqu'un qui a dit « Sans la musique et la danse, je ne pourrais pas vivre en paix avec ce monde ». Donc, c'était naturel de lui rendre un hommage à travers un spectacle musical. Il y avait tout ce qu'il représentait aussi, tout le combat de Bien sûr, c'est quelqu'un qui a su tendre la main vers l'autre. Et aujourd'hui, dans le monde dans lequel on vit, il faut vraiment savoir ce que c'est le pardon, la réconciliation, l'acceptation de l'autre. Est-ce que la comédie musicale, finalement, vous semblait naturellement, vous l'avez dit, vous avez commencé à répondre, tout la forme la plus adaptée, finalement, pour raconter cette histoire qui a ses côtés très sombres aussi. Bien sûr, parce que la musique est un langage universel, donc on peut faire passer vraiment tous les sentiments, la danse, le jeu d'acteur, le théâtre, la musique, le chant, et avec cette équipe formidable, avec Pierre-Yves Duchesne, metteur en scène, Alicia, ma co-auteure, Francine Dizeni, coproductrice, on a vraiment réussi, avec le personnage de Mandela, qui sera joué par James Noah,
très charismatique. On a vraiment réussi à faire passer toutes les états d'âme. Vous aviez déjà travaillé sur un spectacle autour du journal d'Anne Frank, spectacle musical également. On peut dire que vous êtes un habitué, en quelque sorte, des comédies musicales aux sujets un peu difficiles. Oui, ou bien des sujets qui ont un sens. Je crois que c'est important de donner un sens à ce que l'on fait. Et moi, je trouve que la musique, c'est formidable parce qu'on peut vraiment éduquer, s'interroger, se poser des vraies questions, se distraire et s'amuser, parce que Mandela, il y a tout Madiba pour s'amuser, il y a de la danse, il y a de la joie, il y a de la fête. Alors on n'est pas pour autant dans un biopic, vous avez pris un parti pris, celui aussi de raconter au premier plan une histoire d'amour. Pourquoi ce choix ? C'est-à-dire que c'est vrai que le destin de Nelson Mandela est fabuleux, hein. 27 ans derrière les barreaux pour sortir prix Nobel et président, mais il me fallait vraiment aussi une émotion incroyable, et cette émotion on a pu l'avoir à travers cet amour impossible qu'il y a entre Will et Léna, hein, une blanche. On ne va pas en raconter trop. On comprend que ça risque d'être difficile dans la situation de l'époque. Alors vous avez également, on l'a dit, composé, écrit la musique et les paroles donc de ce spectacle. Vous avez trouvé vos sources d'inspiration où ? Peut-être dans les polyphonies sud-africaines, dans la musique du pays même ? Alors j'ai été chercher partout, un peu comme Nelson Mandela, qui est un rassembleur. J'ai été chercher dans la pop-rock, dans l'électro, dans la musique traditionnelle africaine, dans le style Broadway, avec des grandes mélodies. Vraiment que ça soit un melting pot musical très influencé. Jean-Pierre Adida, producteur et auteur-compositeur surtout de Madiba, le musical. Première donc représentation ce jeudi 21 janvier au Théâtre Comédia à Paris. Merci beaucoup d'avoir été.